Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur ? Fils de pute ! Nous allons accepter, messieurs, ce message par un message. Nous savons souvent vos orages sont de passage. Au cinéma, dans la vie, nous sommes les plus beaux personnages. Mais derrière chacune de nous, un homme à porte, on se cache. Nous acceptons, messieurs, cette déclaration. Nous savons vous faire du mal n'était pas votre intention. Nous avons compris que face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, vous aviez envie de prendre le dessus, d'y mettre un terme pour que ça dure. Vous êtes infiniment plus fort, plus rassurant et moins sage que la gente féminine qui parle moins fort, prend moins de place. Merci d'apprécier les deux yeux quand je balance mon corps. Malheureusement, encore des hommes se conduisent comme des porcs. Derrière chaque femme importante se cache un homme qui l'admire, qui peut être capable du pire pour ne pas la laisser partir. La femme est l'avenir de l'homme. Merci à vous d'être poète. Si tous les hommes pensaient comme vous, j'en suis sûr, ce serait chouette. Vous êtes nos épaules, nos partenaires, notre inspiration et nos vices. Vous êtes Martin Luther King, Abbé Pierre ou Carl Lewis. Vous êtes nos pères, vous êtes nos frères, vous êtes artisans ou docteurs. Vous êtes nos fils, vous êtes nos hommes, vous êtes sensibles à notre chair. Vous ne serez jamais ce que c'est que de porter un enfant. Vous êtes nos meilleurs alliés quand il s'agit d'être parents. Comment ne pas être touché ou attaché à ceux qui enchaînent les heures au travail et nous construisent un foyer. Nous acceptons, messieurs, cette délicate attention. Rien ne change quant à notre détermination. Veuillez comprendre, messieurs, vous méritez notre tendresse. Face à votre volonté, votre combat pour que ça cesse. Veuillez accepter, messieurs, cette courte réponse. Vous faites partie de tous ces hommes qui n'approuvent pas et dénoncent. J'avoue être touché par cette délicate démagogie. Merci d'avoir dit tous ces mots, vous aurez le mérite d'avoir agi. We are the only ones. 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 Vous êtes Martin Luther King, Abbé Pierre, Carl Lewis. Vous êtes nos pères, vous êtes nos frères. Vous êtes artisans, docteurs, vous êtes nos fils. Puis nous sommes, vous êtes sensibles. Remix. Elle a 9 ans, pourtant elle n'a plus une vie d'enfant. Elle vit depuis des mois entre ces 4 murs blancs. C'est bien ce qu'elle a et elle sait bien ce qu'elle veut. Elle a perdu du poids, elle a perdu ses cheveux. Elle enchaîne les soins, les traitements, les protocoles. Pendant que tous ses copains jouent dans la cour d'école, elle donnerait tout pour les rejoindre quelques heures. Parfois elle en crie, souvent elle en pleure. Patience et courage lui répètent ses parents. Ils se le disent à eux aussi le soir en se séparant. De la patience elle en trouve et son courage est palpable. Elle puise une force dont seuls les enfants sont capables. Alors elle rigole, elle s'invente des histoires. Elle ne pense qu'à l'avenir, elle s'invente des espoirs. La guerrière va guérir, la vraie vie est tout près. Du haut de sa tour d'ivoire, elle regarde le jour d'après. Travaillait dans cette usine, viré du jour au lendemain par une lettre anonyme, racheté par un grand groupe, une histoire d'actionnaires, ils sont plusieurs dans son cas, tragédie ordinaire, avec les traites à payer et les piles de factures, il a vite décidé de revendre sa voiture, mais sans elle et sans diplôme, loin des codes et loin de la ville, à 50 ans, retrouver du travail est difficile. C'est l'escalade de la misère, spirale infernale. Il est expulsé de son appart avant la trêve hivernale. Les premières nuits dans la rue ont été les plus dures. Mais ensuite, bizarrement, il n'a plus craint son futur. Il puise une force que les rescapés connaissent bien. Il se dit qu'on n'a plus peur dès lors qu'on n'a plus rien. Il va bientôt s'en sortir, il le sent, il est prêt. Il cherche une formation et regarde le jour d'après. Revient en scooter de la soirée de ses 20 ans. La faute à un chauffard, la faute au mauvais temps. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ce n'est pas une légende. Après son accident, on lui ampute les deux jambes. Il passe un an à repenser à ce soir-là, puis cesse de ressasser ses histoires de karma. Avec ses jambes en carbone, l'avenir devient concret. Il veut même refaire du sport et regarde le jour d'après. À tous les usés, les accidentés de parcours, les fragilisés, les malchanceux d'un jour, ceux qui n'ont pas le choix, les guerriers imposés, ceux qui portent leur croix, les héros obligés, ceux qui refusent leur sort et qui changent leur histoire, et ceux qui transforment l'envie de croire en victoire. À ceux dont l'avenir est parfois en sursis, ceux qui voient le jour d'après, ceux qui n'ont pas réussi. One, two, three, ah!
quotidien, je me prétends plutôt tranquille et patient. Je crie pas, je marche doucement, je suis docile et pas chiant. On peut très facilement m'accuser de nonchalance. Pourtant sur certains points, j'ai bien senti l'urgence. L'urgence de choisir mes envies, l'envie de choisir mes urgences. Choisir mes combats, mes refus, mes évidences. Choisir pour mieux agir et ne plus procrastiner. Pour vivre l'instant, j'ai fait des progrès stylés. Demain c'est loin et c'est pas moi qui l'ai dit. Le présent est précieux, l'inertie l'en est dit. Si l'espoir se permet quand l'élan se transmet, honnêtement faut y aller, c'est maintenant ou jamais. Va me rendre folle.